Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est pas en rapport avec l'éclairage. Donc c'est la présentation d'un ancien ventilateur donc des années 50, donc de la marque Kalor. Donc c'est un mini ventilateur de voyage. Donc voilà, donc là il est sale. Donc voilà, donc Kalor. Voilà. Donc ce ventilateur il existe en deux versions. Donc on a la version 2, la V2 avec le... Ici ce bouchon là il est en plastique, donc plastique comme ça. Là il est en métal, donc c'est la V1. Donc voilà l'arrière, donc avec des inscriptions. Voilà, 230 volts. Numéro 941, donc vous pouvez mettre pause pour lire. Voilà. Donc ici on a le fil d'origine, donc ça c'est plutôt cool. Donc le fil n'a pas été coupé ou raccourci ou je sais pas quoi. Donc ce qui fait qu'on a une prise d'origine, donc la prise Kalor. Elle est bien sale, mais bon, voilà. Donc le fil, malheureusement, il est bien jauni. Il est bien jauni, mais bon, j'ai testé. Je vais tester et je vais voir si ça fonctionne. Donc voilà, donc pas grand-chose à dire. Hein. Donc ça, c'est du métal, donc c'est en bleu. Donc voilà, donc la peinture, elle est bien sale, donc on peut le tourner. Hein. Donc voilà, donc ça se tourne un petit peu dans tous les sens. Donc comme ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc l'hélice, malheureusement, l'hélice elle est en plastique, mais bon, le moteur il tourne très bien, enfin apparemment. Hein. On voit que le roulement à billes qui fait tourner ça marche très très bien, car bah on voit que ça tourne vraiment très très bien. Hein. Donc l'hélice elle est un petit peu tordue, on peut le voir, donc je vais essayer de voir pour redresser ça, sinon je laisserai comme ça. Et en tournant vite, ça se verra peut-être plus. Donc voilà, donc on a un joli pied en métal qui est un petit peu rouillé, donc qui brille presque plus. Hein. Donc voilà, donc la peinture hein, qui est en sale état, qui a des pets dans la peinture, mais bon, ça, je ne pourrais rien faire parce que je vais pas le repeindre. Donc voilà, donc l'hélice qui est vraiment bien crade. Hein. Donc voilà. Donc voilà, donc malheureusement c'est une hélice en plastique, mais bon, elle a pas de, c'est un modèle qui a pas de grille autour. Vous savez quand vous avez une grille devant, là il y en a pas, donc faut surtout pas mettre ses doigts, hein. Sinon on se coupe un doigt. Mais donc ça c'est un modèle sans grille, donc plutôt rare de l'avoir avec l'hélice qui est pas cassée. Parce qu'en général il y a un truc qui a été mis à travers ou quoi, des enfants qui jouent avec ou des trucs comme ça. Et donc l'hélice elle finit par être cassée, ou ça c'est manquant ou des trucs comme ça. Donc voilà, ou cassée. Donc le modèle il est complet, donc ça c'est plutôt cool. Donc je fais cette vidéo en caméra libre, désolé. J'avais pas envie de sortir tout le truc et tout pour ce petit ventilateur. Donc voilà, donc en dessous ce que ça donne, voilà. Donc là la peinture bleue elle brille encore plutôt bien. Voilà. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Hein. Donc pas grand chose à dire. Hein. Donc il y aura la vidéo présentation et test quand il sera nettoyé et fonctionnel. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà. Donc je vous dis au revoir. Allez, ciao.